Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo wishlist, wishlist, où je vais en fait vous montrer tous les articles que j'ai envie d'acheter. Donc en fait la wishlist c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mieux c'est bien que les filles, vous savez toutes ce que c'est. C'est en fait, quand tu vas sur un site, tu as d'abord la catégorie wishlist et panier. En fait dans la wishlist tu mets tout ce que tu as envie d'acheter avant de le mettre dans ton panier. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc dans mes wishlists, il y a le site Forever 21, Misguided, Asos et Shein, il y a vraiment plein de choses. Donc installez-vous confortablement, regardez la somme disponible sur votre carte de crédit. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le site Asos. Je consulte mon petit PC. Ah oui, il y a d'abord un pantalon jean mom qui est spécial pour les tall brands, donc ce sont les grandes fifis. Étant donné que je mesure 1m75, j'aime bien regarder dans toutes les catégories tall. Je sais même pas comment on dit en anglais en fait. Tall, je sais pas. Et donc, c'est un jean avec des petits cuissons, des petits cœurs, et il est taille haute, j'aime bien. Et c'est un style mom un peu décontracté, comme ça, j'aime beaucoup. Et il est à 55,99€. Donc, à moins qu'il y ait un bon code promo, à mon avis, il restera dans ma wishlist. Ensuite, toujours dans la catégorie tall, il y a une magnifique robe chemise, style oversize, comme ça, en satin, couleur nude caramel, comme ça je trouve juste trop belle. J'imagine avec plein de styles différents, avec des baskets, avec des petits talons sexy, je l'aime trop. Et elle a 33,99€. Ensuite il y a ces lunettes que j'aime trop. En fait j'aime trop les grosses lunettes, je trouve ça trop beau. C'est là d'office, je vais les mettre dans mon panier dans pas longtemps. Donc c'est des lunettes Asos, vraiment je trouve juste trop belles. Je trouve qu'elles font un peu, quand tu les vois, quand tu les mets ça claque, ça peut que claquer. Elles sont trop belles, en plus t'as un petit motif un peu léopard comme ça en dessous, j'aime trop. Ensuite il y a un Perfecto de chez Misguided que j'aime trop. C'est un parfait noir classique, mais en fait sur les manches, t'as plein de motifs d'écussons avec des feuilles, des roses blanches. Je trouve juste trop beau. Mais il est à 66,99€, donc je ne sais pas. À moins qu'il y ait un bon code promo, lui aussi, je me tâte. Ensuite, il y a ce magnifique sac de chez River Iceland, encore, avec des fleurs. Je sais, mais j'aime trop les fleurs. En fait, c'est trop à la mode en ce moment, grâce à la marque... C'est de la marque Gucci, il me semble que ces fleurs ont commencé, les roses. Et j'aime trop cette mode, je suis fan des roses, mais de dingue, tout ce qui est motifs floraux, fleurs, roses, tout ce que tu veux, j'aime trop. Et il a 55,99€. Bon, c'est un prix. Bon, c'est pas encore un gros prix pour un sac, mais je le trouve vraiment trop beau. Ensuite, encore un sac, mais cette fois-ci de chez Asos, qui coûte un petit peu moins cher. C'est un sac bandoulière, noir. Avec encore des motifs floraux, celui-ci il est à 39,99€, donc il est un petit peu moins cher que le River Asland, et j'aime aussi beaucoup. Ensuite il y a mais pour moi c'est un pull blanc avec des roses rouges, juste sur les coudes là, je l'aime trop. Pour l'arrivée du printemps, le blanc comme ça avec les roses rouges, je trouve que ça ressort super bien. Et c'est de la marque Milk It sur Asos, et il est à 37,99€. Voilà. Alors ensuite encore deux articles chez Asos, deux accessoires. Il y a tout un assortiment de bagues comme ça que je trouve juste trop belle de la marque Asos. Donc c'est un lot de bagues avec des croix et il a 10,99€. Ça j'aime beaucoup, je trouve que ça fait... j'aime beaucoup cette mode où il y a beaucoup de bagues au doigt. C'est vraiment un style un peu... c'est un style un peu gothique comme ça, j'aime beaucoup. Et ensuite encore des lunettes Asos. J'aime beaucoup la forme, j'ai pas encore une forme comme ça. Je trouve aussi qu'elles font fort stylées. Moi je suis une grande fan des lunettes de soleil, j'aime trop. Et celles-ci, elles sont à 18,99€. Donc ça va. Ensuite, on passe chez Forever 21 et là, ça craint. Alors, premier article, c'est une robe printanière avec les épaules dénudées. T'as un petit détail sur la poitrine comme ça. Et c'est encore bien sûr des fleurs, voilà. Et elle est à 15,99€, là juste... Je la trouve juste trop belle, trop élégante. Ensuite, il y a un Perfecto en cuir nude. J'ai pas de Perfecto
nude du tout. J'ai juste des noirs et un bordeaux. Et je trouve juste trop beau. Le nude avec le printemps qui arrive, tu mets ça avec une robe, avec un jeans, avec une jupe. Ça passe avec plein de tenues différentes. Et en plus, il est à 34€. Donc je trouve que c'est très raisonnable. Ensuite, il y a un bomber avec des motifs de fleurs, de feuilles, de roses, comme d'Apolline, Tunoso. Oui, je suis à fond dedans en ce moment. Sorry. Et en fait, ce que j'ai aimé, déjà, c'est le bomber. C'est un bomber très léger. Il fait pas du tout effet bomber. Il est très fin et la couleur. Je sais pas c'est quoi comme couleur, comment ça s'appelle. Mais c'est une couleur un peu moutarde, gold comme ça. Et je la trouve juste trop belle. Et elle est à 34€. Donc je trouve ça raisonnable aussi. Encore un autre bomber. Avec des fleurs. Celui-là. En fait, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais. Rien que la tenue sur le site avec le bomber, voilà, je trouve que le look il est parfait. Ce bomber là, en plus il est un peu, il est long, il arrive un peu en dessous des fesses, donc je trouve juste trop beau. Par contre il est à 47€, donc il a un certain prix. Ensuite il y a un petit collier Red Kou que j'aime beaucoup. En fait il est tout simple, il y a deux chaînes comme ça et il y a un cercle au milieu. Et j'aime beaucoup ce genre de collier. J'aime bien le mettre par exemple ce genre de collier là avec d'autres colliers qui pendent comme ça tout fin. Je trouve que en ce moment c'est vraiment un style que j'aime bien porter. D'ailleurs ici vous voyez bien que j'ai plusieurs colliers tout fins mais j'aime bien les assembler. Ensuite il y a ce body couleur vieux rose que j'aime trop. Il a 13€, en plus il monte bien haut ici. Je trouve qu'il épouse bien les formes et la couleur je l'aime trop. J'aime trop. Et il est à 13€. Et ensuite, il y a ça aussi. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment plein de styles différents. J'adore. Il y a une longue jupe comme ça, un peu style bohème. Et elle a l'air super confortable. Elle n'a pas l'air transparente. Elle est à 20€. Et en plus, c'est une couleur pêche comme ça pour le printemps et même l'été. Je trouve ça super beau. T'es super à l'aise. Ça cache ce qu'il faut cacher. Ensuite, chez Misguided. Là, en fait, toutes mes wishlists, c'est vraiment que des coups de cœur. Donc, je sais pas comment je vais faire pour trier. Ça va être un vrai calvaire. Il y a d'abord un par-dessus. Donc, c'est un par-dessus, une... Oh, ça n'a pas commencé, hein. Non, stop. Donc, c'est un par-dessus, un long, une longue veste en satin. De couleur marron, je la trouve juste magnifique, ça fait super classe. Je me vois bien la porter en été quand je serai bronzée. Oh, ça va être trop beau, j'aime trop ce style. Par contre, elle est à 52,50€, donc j'attends un code promo de chez Misguided. Ensuite, toujours en satin, il y a un pantalon noir taille haute, cigarette que j'aime beaucoup. Ça, moi, tout ce qui est satin et soie, je suis une grande fan. Ici, il a 17€. Il a 37,50€. Sans encore, avec des baskets, avec des talons, avec un body, avec un petit top, mais avec un sweatshirt. Il y a plein de styles différents et possibles. Ensuite, il y a cette mini-jupe en jeans noir. Et en fait, j'aime beaucoup le style parce que tu as plein de petits boutons devant comme ça. Et tu as le bord de la jupe qui est un petit peu, qui a un effet un petit peu avec des petits... je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Avec des petits fils qui dépassent. Ouf. Ce fut compliqué à expliquer. Hein. Et là, cette petite jupe est à 33€. Ensuite, encore chez Misguided, il y a une robe noire évasée à imprimer rose et manches évasées. Voilà, ce sont vraiment les tendances que j'aime trop en ce moment. Les fleurs, les manches évasées, là, genre un peu à l'ancienne, comme dans les châteaux et tout. J'aime trop. Ça fait trop. Chic, j'aime trop, elle est trop belle. J'ai dit le mot trop au moins 10 fois en 5 secondes. Waouh! Et elle est à 37,50€. Et dernière chose, chez Misguided, il y a un body bleu sans manches. Et en fait, il est tout échancré sur le côté. Et j'ai adoré la couleur. Un body bleu roi. Waouh! Quand je serai bronzée. Et il est à 15€. Donc franchement, voilà. Ensuite, chez Shein. Alors, il y a deux colliers qui sont tous les deux à 4,80€, donc je vais vous les mettre en même temps.
sont encore deux colliers avec plein de pendentifs qui pendent, plusieurs colliers qui sont attachés, et j'aime beaucoup ce style-là en ce moment. J'ai également mis un pantalon taille haute que j'avais vu grâce... que j'ai découvert grâce à une youtubeuse. Je l'aime trop, en plus quand je vais porter sur elle, je trouve ça trop beau au printemps avec un petit body, un petit top blanc. J'aime beaucoup déjà l'effet taille haute, l'effet un petit peu évasé léger et surtout le gros nœud qu'il y a devant. Et il a 15,36€. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais sur les réseaux sociaux, c'est assez à la mode et j'aime beaucoup cette mode-là. Souvent, j'aime pas être un mouton au moment même. J'aime bien soit avant, soit après. Mais là, en fait, ce sont des essuies avec plein de motifs tribales. Et donc là, c'est un essuie avec du rose, du mauve, du blanc. Et je trouve ça super joli. Ça change des bêtes essuies de plage, rectangle, là. Ensuite, j'ai mis un bikini dans ma wishlist. Mais comme c'est Shein niveau taille, je sais pas encore. Je sais pas ce que je vais mettre comme taille. Parce qu'apparemment, ça taille très petit. Parce que j'avais vu une vidéo d'une fille qui avait pris un bikini sur Shein, elle était genre comme ça, elle avait pris du L. Bon, moi je suis comme ça, je prends quel genre de taille? Voilà! Et donc ce bikini là, il est à 10,56€. Encore deux choses chez Shein, puis j'en ai fini. Il y a une... Oh, je l'aime trop! Je vais me répéter, mais pour l'été... Pour l'été, waouh! C'est une combinaison... pantalon avec dos croisé en satin rose, vieux rose, à 29,76€. Je la trouve juste waouh, mais trop belle, avec un beau bronzage. Je serais pas mieux m'habiller que ça. Et dernière chose, il y a un top chemise rayé rouge, noir et blanc, enfin plus bordeaux que rouge, à 21,12€. Et encore une fois, il y a les manches évasées de taille que j'aime trop. Et ça, je me dis, avec un jeans taille haute style mom avec des petites baskets blanches, je vois bien le style. J'aime beaucoup aussi. Je mets pas beaucoup de vêtements rayés, mais là je trouve que ça le ferait vraiment vraiment. Donc voilà déjà pour cette vidéo wishlist. Je vous ai présenté tout ce que j'avais eu dans mes wishlists, donc tout ce que je voulais commander, même si je ne serais pas tout commandé parce que je ne m'appelle pas Michelle Obama. Si jamais vous avez aimé les mêmes articles que moi ou que vous allez les commander, que je vous ai fait craquer, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour qu'on partage ensemble notre culpabilité. Ça, on sait faire, ça, on aime bien, ça, on gère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.